Azra. Il est 7h ce mercredi matin. Le moment est venu pour Azra de s'arracher au sommeil et de se préparer à partir à l'école. Avec sa famille, cette jeune chrétienne de 8 ans a fui Karakoche, en Irak, lors de l'invasion de Daesh en 2014. Elle vit maintenant à Erbil, au Kurdistan irakien. Contrairement à de nombreux déplacés, Azra habite dans une maison. Elle a également la chance d'être scolarisée. Azra était triste car elle a tout laissé à Karakoche. Ses livres, ses cahiers. Mais nous avons fait en sorte de lui acheter des fournitures ici pour qu'elle puisse continuer à étudier à la maison, puis à l'école lorsqu'elle l'a ouverte. Elle est très intelligente et elle aime étudier. Je veux qu'elle fasse quelque chose de sa vie. Le soleil continue de se lever sur Erbil et Azra prend la direction de l'école Saint-Irénée à 10 minutes de marche de chez elle. L'établissement a été inauguré en juin 2014 et il accueille des déplacés qui ont fui Daesh. Après le rassemblement qui marque le début de la journée, c'est leçon de lecture et d'écriture pour Azra. J'aime l'écriture, j'aime étudier. J'étudie car je veux devenir médecin. Je veux soigner les malades gratuitement. À quelques dizaines de kilomètres des territoires occupés par Daesh, l'établissement offre une chance de réaliser leurs rêves à Azra et à près de 1000 élèves du primaire et du secondaire, mais également des filières techniques. Des élèves de différentes religions étudient ici, comme Les, qui veut devenir ingénieur. Ce jeune musulman a fui Mossoul il y a un an. Quand Daesh est entré dans Mossoul, ils s'en prenaient seulement aux policiers ou aux soldats de l'armée irakienne. Mais après cela, ils ont commencé à attaquer les yézidis, les sunnites, les chiites, les chrétiens, tout le monde. La vie est plus facile maintenant, grâce aux chrétiens qui ont ouvert cette école et qui nous ont énormément aidés. Nous sommes très reconnaissants. Ils sont des frères pour nous. Les s'est bien adapté à la vie de l'établissement et il côtoie sans difficulté chrétiens et yézidis sur les bancs de la classe. Mais pour certains élèves, le manque de confiance est le sentiment dominant. Les blessures des persécutions sont à vif et ils ont des difficultés ou sont réticents à tisser des liens. C'est un petit peu difficile de vivre ensemble, parce que nous sommes de religions différentes et que chaque religion a ses idées. Je n'ai pas d'amis de religions différentes. J'ai seulement deux amies qui sont chrétiennes. La seule chose que nous voulons, c'est juste passer du temps avec eux. C'est juste terminer la journée d'études et puis rentrer à la maison. L'apprentissage du vivre ensemble est donc au cœur de l'intuition et du projet pédagogique de l'école Saint-Irénée. L'établissement a été financé en partie par la Fondation Saint-Irénée du diocèse de Lyon. La difficulté, elle est réelle, c'est-à-dire de faire cohabiter ou vivre ensemble dans une école deux religions qui se sont affrontées. C'est vrai que c'est important de montrer que c'est possible. Alors en effet, c'est dur, mais c'est vrai qu'ils ont connu des choses horribles en quittant leur pays, en quittant leur région. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à pardonner et on est en pleine année de la miséricorde. Donc je pense qu'il faut vraiment la vivre au jour le jour. Et ça passe en effet au quotidien pour les enfants d'arriver à se supporter mutuellement et peut-être de découvrir les talents de chacun. Si on n'y arrive pas dans l'école, on est sûr de ne pas y arriver plus tard dans la vie du pays. Ce jour-là, la Fondation Saint-Irénée et une délégation du diocèse de Lyon inaugurent le nouveau terrain de foot de l'établissement. Alors que le balai des hélicoptères militaires bourdonne au-dessus de leur tête et que la violence est omniprésente, les élèves auront désormais la possibilité de se changer les idées le temps d'un match. Un partout, je crois. Deux. Un terrain de sport, ça ne peut que rassembler, hein, même s'il y a deux équipes qui s'affrontent. Ça reste quand même un jeu et c'est très important de montrer qu'on investit aussi dans leur loisir, pas seulement dans l'apprentissage, mais aussi dans le loisir, parce que c'est par le sport qu'ils vont aussi trouver un équilibre. D'un côté, ils apprennent, de l'autre côté, ils font du sport et au milieu de tout ça, il y a en effet l'Église qui est aussi ce qui les rassemble.
Le terrain de foot comme l'école ont été construits sur un terrain mis à disposition par Mgr Petros Mouché, l'archevêque syriaque et catholique de Mossoul. Les gens qui sont ignorants, l'ignorance fait beaucoup de choses et je crois que à apporter ici chez nous, c'est l'ignorance. En éduquant, il y aura beaucoup de plus d'ouverture sur les gens. Les gens commencent à savoir, comprendre eux-mêmes le sens de l'humain et comment pouvoir vivre ensemble, comment collaborer ensemble. Ça crée donc un avenir qui sera paisible pour tout le monde. Cette mission de l'école Saint-Irénée porte déjà ses premiers fruits, comme dans le cas de Myriam. Cette chrétienne de 13 ans hésite entre devenir professeur, médecin ou religieuse. Et elle a déjà une attention toute particulière aux fidèles des autres religions. Je prie pour réussir à l'école. Et quand je prie, je confie les yézidis, les musulmans, tout le monde. Pour que nous puissions tous rentrer chez nous. L'école Saint-Irénée n'a pas vocation à durer dans le temps. Et les déplacés espèrent pouvoir quitter le Kurdistan et retrouver un vivre ensemble, sur leur terre, en paix, dans la plaine de Ninive. Une perspective à laquelle l'établissement les prépare. Grâce à l'école Saint-Irénée, les enfants expérimentent un lieu de rencontre et que cette vie ensemble est possible.